je reviens du sur, Benzaï live. Benzaï reprend le défi, très sérieusement, de faire un 100 Mario expert. Donc 16 niveaux experts, pris totalement au hasard dans la grille des niveaux faits par la communauté. Sans vie, on peut switcher, on peut skipper un niveau, et donc ça nous fait perdre une vie, mais ça ne fait pas avancer sur le fait qu'on doit en faire quand même 16. Et donc, nous sommes extrêmement concentrés. On commence par Ennemi Parade, par Martial. Va te faire enculer, Martial, bordel de merde. Ça m'a pris 2 secondes pour lancer des insultes. Super Serious. Allez, allez. Oh, ça glisse! Ah non, non, mais non. Voilà, premier skip. On va essayer, alors l'astuce ça va être de ne pas balancer plus de 10 vies par niveau parce que sinon on va pas s'en sortir. Il y a des niveaux experts qui sont faisables, d'autres non. Mais quelle connerie, je suis con quoi. Voilà, ok. Voilà, c'était une évidence. Ah, faut pas prendre le truc. Ah, du coup, on perd max de temps. Merci, Célatine. Oui, le checkpoint direct. On était très, très concentrés là. Ah putain, faut le pousser. Attends, quoi? Putain, faut se laisser bouffer. Oh putain. Ok. Donc là aussi, il y a un champignon qui, je pense, il ne va pas falloir prendre. Ok, bon, on teste, on voit ce qui va se passer. Bon, là, ça va être la même connerie. On devait avancer le truc. Je bling. Ok, 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 ok. Non, non, oui. Putain, je déteste quand il y a des bruitages et des trucs en plus, là. Pourquoi il se chie dessus? Mais ferme bien ta merde! Il va te faire cuire une couille! C'est un petit peu pénible. Oui. Oh putain. T'es balèze. Ok, donc je bling, je bling, je bling, je bling. Ça fait beaucoup trop de... Mais non. Ok, 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 ok. Mais non! On va y arriver, on va y arriver. C'est quoi tous ces Kameks là-bas après? Mais qu'est-ce qu'il veut de moi? Oh mais parlez-moi de lui quoi! Oh là là, la migraine arrive. Bon, on essaie d'être lucide hein, sur ce truc. Bon, par contre, le son, c'est très chiant. C'est très très chiant.
Mais les niveaux pollution sonore, ça c'est... insupportable. Ah oui, c'est que c'est les actifs, du coup ils se niquent entre eux. C'est ça, t'es obligé de te le prendre. Quoi? 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 Que ouais? Oh, faut remonter pendant que tu prends le dégât. Oh putain, c'est saloperie, putain. Vas-y, c'est tellement pute. Par contre, un truc que j'ai pas fait, c'est de changer dans Mario Maker, sur Twitch, comme quoi je joue à Mario Maker. Ah ! Oui. Mais non, faut pas aller en bas, il faut rebondir avec le... Désolé, ça c'est très exaspérant. Pourquoi faudrait aller en bas? Vous êtes con, quoi. Voilà! C'est quoi ce « il fallait aller en bas » ? Alors, oh! Putain, j'ai failli faire tomber la truc. Bougez pas, je vais vite fait sur le dashboard de Twitch. Voilà. Allez, on est reparti. Ah non, 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 pas start over, t'es fou quoi. Ça va me plaire. Glou, glou, glou. Ok, c'est parti. Putain, t'es obligé de prendre les dégâts. Ah putain, il est... Ah, regardez-moi ce truc de... Ah mais après quand tu commences là t'as pas de champignons donc j'espère qu'il va... Ouais il t'enfile un, c'est bon. Ok donc là on attend le champi. Ok on le prend. Forcément on crève, on reste un peu entre les deux là. Mais du coup t'as pas le choix. Oh oui, putain, j'ai réussi. Ok, donc en fait là, il y a pas de game. Il y a pas de game, 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 il y a pas de game. Quoi ? Merde, putain, alors là c'est foutu. Faut réussir à rebondir. On l'a fait. Et là, je bloom, je blâme. Mais merde! Mais tu veux que j'aille où, putain? On y est presque, on y est presque.
Alors si vous avez des indices là. Qui a un indice? Mais non. Oh oui putain, ça c'est bon. Et tu veux que je fasse quoi là? Oui. Oui. Si tu se bien invite. Allez, on lui laisse un petit message quand même, ce Laurentium là. C'est parti pour un. On va se mettre en jambe avec un petit Végéta. Un prince des Saiyans. Bon, c'est pas vraiment Végéta parce que bon, je sais jamais vraiment bien le dessiner. Je sais faire quelqu'un qui sait pas dessiner Dragon Ball Z, mais on reconnaît qu'il a essayé. Tu vois le genre? Allez, c'est le moment d'excitation, les amis, hein, parce que vous allez découvrir à ceux aux yeux ébahis le dessin du Benzu. Bon, ouais, voilà. Bon, c'est une première mise en jambe, hein. Ne me jugez pas. Finalement, oui, voilà, hein, on va dire que c'est le Végéta de Dragon Ball Super, exactement, vous avez compris. Voilà, il est moche. Eh bien, écoutez, c'est tout ce que méritait ce level. Hein. Voilà, on a 95 vies, deuxième niveau. Encore une japonaise. Je déteste les poissons. Mais attends, mais c'est le piège parce que je vais mourir si. Tu meurs. Attends, mais t'es obligé de mourir si tu prends l'étoile. On est d'accord. Mais putain! Mais non, pas de skip, on y était! Qu'est-ce que c'est que ces gens qui baissent les bras? On y est! Voilà! Y'a pas besoin de skip là! Et sortez, rangez votre sel, c'est déjà terminé. Vous avez même pas le temps de poster sel que j'ai déjà fini le truc avec le retard du stream. Oh non, mais ces niveaux à la con, par contre, là, ça m'énerve. T'as pas le temps de te concentrer deux secondes. Bon, allez, attends, on essaye une dernière fois, là. Mais non, mais c'est non alors. Putain, merci Napoléon Raffoni.
Ça, c'est ces putains de jeux qui... C'est comme les vieux jeux d'arcade, quoi, qui sont juste là pour te... Oh, merde. Juste là pour te bouffer des niveaux, des trucs en fils de puterie. Alors que quand le niveau est legit, tu perds beaucoup moins de vie. Sauf celui de... de Monsieur Plouf, je dois bien avouer. Oh, yes. Ce qui est marrant, que c'est pas la vraie Samus. Ah ouais, quand t'es court, ça fait une petite boule. Oh, c'est trop mignon. Merde, merde, merde. Ah, apparemment c'était la bonne. C'était la bonne. Oh, fils de chien. Allez, ça se trouve. Merde, putain, mais je suis con, moi. Oh, mais non, mais je voulais Samus. Mais non, mais ça m'amuse plus, là. T'as vu cet humour? Merde, putain, là je fais n'importe quoi. Ah putain, on est à 89. 88, faut pas gaspiller trop de vie sur ce niveau. Voilà, et ben du coup c'est grillé. Oh putain. Merci Anonymous. Ok, donc là. Non. Bon, je pense qu'il faut continuer comme ça. Ok, ok. Non mais ça, tout ça c'est legit. Ça c'est des trucs legit. Sauf que j'ai peur que ça dure très longtemps encore. Il y a forcément une entourloupe, c'est pas aussi simple. On y arrive, on va y arriver les mecs. Celui-là je le sens bien. Je sens qu'avant d'épuiser les divis, je sens qu'on va, y arriver. Quatrième niveau. Du Mario World, ok. Ah putain mon chien. Ah mais merde, putain la vieille bait et moi je vais dedans direct. Ah non, j'aime pas quand il y a des marteaux là. Non. Je n'avais pas fini de construire la rambarde. Oh putain. Ce niveau serait-il legit? Serait-ce un niveau du skill? Ah oui, non mais ça va être compliqué. Forcément. J'y crois moi. Là il y a le raccourci, il y a la fin du niveau, il y a tout. La paix dans le monde, le vaccin contre le cancer, tout est là. Putain merde. Mais quel con impatient je fais. Oui, putain, on est bien là. Ok, il me dit de tomber là, je tombe là. Je crois que c'était pour récupérer une cape.
Attendez, on va arriver à quelque chose. Ok. Mais du coup, là, il y a quoi? Mais qu'est-ce que tu veux que je fous, bordel de merde? Merci, gloire à Smooth Magro. Ah non, attends. Ok, attendez. Le but, c'est d'arriver full armure ici. Le but, c'est d'arriver full armure au truc. Merde. Ah, mais non, mais voilà, mais c'est foutu, c'est réglé. Mais non, abruti, va. Bon, je vous explique. Le but de ce niveau. Ah bon, mais nique bien ta mère. C'est finalement de y aller en speedrun. Bon, par contre, il m'énerve. Le niveau commence à m'énerver, mais. J'essaye un truc, je réessaye ma strat du. Je réessaye ma strat du tout speedrunné, que des sauts en fait perfect, perfect frame quoi. Parce que rebondir sur les pierres grises ne m'empêchera pas de me faire bouffer par les plantes, sauf si je fais des sauts parfaits. Ah putain, mais ça c'est tellement le piège. Ok, c'est pas grave. Ah, ou alors on fait tout spin jumper. Mais c'est quoi? Là c'est très très compliqué hein. Mais c'est vrai que c'est peut-être plus plus logique. Ah putain, mais le truc c'est qu'il faut, garder une espèce de... Il faut garder une espèce de célérité. Que je ne sais pas comment on obtient en fait. Là j'y vais en mode j'y vais prudemment. Mais comment tu montes sur la première en fait? Tu crois que tu peux spinner sur la plante? Ouais, mais c'est pas ça qui te ferait Oh putain. Non, non, mais en fait, il faut genre aller un peu sur le côté, revenir. Allez, allez, hein, j'essaye, je tente un dernier truc. Je tente une dernière théorie. Putain, mais on a accès aux pièces là, quoi. Bon, ça sert à rien. Je tente ma théorie. Dégage, toi.
Mais non, je voulais que tu rebondisses dessus, abruti, fini. Bon, alors là, je me suis... Mais non, mais en fait, le truc, c'est que même si c'est un bon... Quand c'est un rebond sur quelque chose, tu peux pas partir en vrille dessus. Donc ça ne change pas grand-chose à cette histoire. Je suis un petit peu baisé, de toute façon. Par contre, j'avais forcé... Je pense que j'avais besoin de ce truc-là, parce que... Allez, allez, attendez, je veux tester un truc, quoi. Je pense que j'ai besoin du premier hit, quoi. Je pense que j'ai besoin du premier hit, et après... Et après, ça passe. Ok, d'accord. Bon, c'est pas grave. Oui, on est descendu. Mais attendez, on est au, on est au quatrième level. Il me reste 77 vies. C'est très bien. Oh! What? Y'a Sonic! Ah, on peut pas leur sauter dessus. Oh putain, alors c'est compliqué, attends. Ah oui, mais merde. Il est tout mignon, ce kart. Ah quoi, t'as 10 secondes pour le faire? C'est un défi 20 secondes? Oh putain! Et putain, il y a une étoile là! Ah! Yes, first try! First try! Putain, j'ai même pas transpiré, mon gars. 75 vies, on est au cinquième niveau. Je lui fais un petit Sanic. Là, je lui mets 2 sur 10. Clac. Voilà. Hop. Et donc, attention, vous allez voir sous vos yeux ébahis à quoi ça ressemble un Sonic Made in Banzai. Attention, c'est parti. Il va s'afficher. Oui, le voici. Voilà, un petit Sonic. Sonic le pangolin. Allez, cinquième niveau, 75 vies. On est correct.
Alors je déteste les ghost house. Je déteste les ghost house. Mais vraiment, avec passion. Ah mais c'est très désagréable ce truc. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Bon, attendez. J'aimerais pas descendre en dessous de 70 sur le prochain level, mais là, ça va être compliqué. Hein. Là. Blim, blim. Voilà, au moins, je l'ai récupéré. Ça va prendre 10 ans. Merde. Non. Oh, je me tue tout seul. En plus, ça se trouve, c'est même pas ça qu'il faut faire. Boom boom quest. Bon, attends. Ok. Le truc, c'est que c'est tellement précis que t'en oublies, t'en perds ton latin, quoi. C'est totalement bizarre. Genre, c'est des trucs que tu ferais avec confiance dans un niveau vanilla normal. Puis en fait, tu stresses, quoi. Le stress te gagne. Mais alors? Attends, déjà, elles nous font chier, voilà. Merci. Bon, alors, ok. Ah non! Oh putain, non, mais non. Parce qu'en fait, on va se prendre la tête dessus, c'est trop long, et c'est... Voilà. C'est pas safe, c'est pas safe. J'en profite comme quoi on a encore 70 vies et que on keep the dream alive. Keeping the dream alive. Alors, voyons voir ça. Oh là là. Si c'est un niveau shoot them up, moi ça me va. Hein. Moi je suis ok. Ben voilà, comme quoi. Quand je disais safe, safe. Mario number one. Woohoo. Saviez-vous que mince. Charles Martinet, la voix de Mario, qui fait « Wouhou !» C'est aussi la voix de Parturnax, le dragon dans Skyrim, et qui fait aussi la voix de Wario, de Baby Mario, etc, etc, etc.
Oui, d'accord, ok. Ok, ton petit level de pute, ok. J'espère que t'en es fier. Fils de chienne! Et il parle un français des plus parfaits. Il parle un français, franchement, chapeau bas. Pourtant, quand je l'ai rencontré, on a parlé en anglais, donc... Du coup, je trouve ça dommage, parce que j'aurais bien aimé échanger quelques mots en français avec lui. Juste pour le swag, quoi. Mais non, non, mais non, mais non. Il a l'air très simple, en plus, ce niveau. Alors, on va passer la barre des 60. Ah, 69, putain. Je ne peux pas perdre la 69 vies. Je veux finir ce challenge numéro 100 avec 69 vies. Ah, c'est compliqué! Ou alors si, mais non, mais tu passes avec le champignon. Comme ça, les gros, tu t'en bats les couilles. Mais oui, mais je suis con, je suis pas petit. Mais non, putain, non, mais il m'énerve ce niveau. Ok. 66 vies. Mais du coup, ça voudrait dire que la pyramide elle vole dans le vide, donc c'est nul. Mais là, il va y avoir un gros troll encore. Attends, moi je fais pas ça, moi. Mais t'inquiète ma poule, t'inquiète. T'inquiète que si tu me donnes 400 secondes, moi je vais les prendre. Hein. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. De toute façon, il y a un côté satisfaisant à faire ça. Non, il n'y a pas de raison de reset, je perdrai une vie. Donc là, j'ai 400 secondes. Tu veux que je m'élève si haut dans le ciel? À moins que, comme ce niveau n'a pas été fait par Monsieur Karaté, je pense que c'est legit et que tu peux t'envoler. Attention, quand je m'élève si haut dans le ciel. Oh, mais quel niveau de merde! Oh putain, mais j'ai atteint l'orgasme avant qu'on passe aux choses sérieuses. Mais ton niveau, c'est de la merde. Il y a ma moto qui a dérapé. Septième vie, septième niveau, 65 vies. Pour l'instant on est bon, hein. Ça fait une bonne moyenne mine de rien. Ça fait 5 vies. Enfin non. Il
Enfin, la moyenne est correcte. Scarec. Mais non, mais... Oh putain, mais pourquoi je saute comme une daube? Putain, tout à coup, j'ai paniqué. J'ai l'impression que ça fait plus d'une heure que j'ai lancé ce mode Mario Maker. Alors qu'on est qu'à 7 niveaux. Pourtant c'est un mode que tu veux pas lâcher quoi. Bon, le truc c'est que la précision des sauts sur ce Mario World, je sais pas, je vois pas les pixels comme les autres quoi. Comme il y a beaucoup de hitbox qui sont arrondis, etc. Ça me fait stresser. Surtout les crânes là. Pas un piège mortel s'il vous plaît, pas un piège de pute. C'est bon, c'est bon. Un peu pute quand même. Un petit peu pour les putes. Qu'est-ce que t'en penses? Ta gueule, Kamek. Il va se passer un truc là. Ok. Oh putain. Je sue des mains, mon gars. Si tu voyais ça. Ça n'a pas de sens. Putain, on est lucide, on est lucide. Plaf. First try. Voilà, vous l'avez mérité. Putain. Ah, c'est niveau de l'angoisse. Allez, 67 vies, 8ème niveau. On est à la moitié. Non, non, pas la moitié, on enculé. Qu'est-ce qui se passe quand je vais faire ça? Est-ce que c'est un saut de la foi ou pas? Ah putain! Ah c'est ces sauts de pute! Ah non mais attends. Est-ce que c'est pas une connerie genre... Non mais stop. Lancer le P et rebondir dessus, non mais... Non. 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 Ah, voilà, un petit niveau Donkey Kong, ça fait plaisir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais et Mario? Fait par Blossom canadienne. Qu'est-ce qu'il y a là? Oh mais c'est gentil. Oh mais alors, illumine. Bon, on va pas se prendre la tête.
Oh merde, on peut pas les attraper là. Ok, bon, attends, je saute. Ok. Mais où est l'entourloupe? Par contre, le... Gauche, droite, gauche, droite. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui nous arrive là? Qu'est-ce que cela? Ça va revenir. Ah, c'est une chenille. Ah, je déteste les chenilles, putain de merde. Lucidité, j'écris ton nom. La lucidité, je la vis. Je suis lucidité. Tin, 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 tin. Ah mais merde, je suis con moi. Mais merci. Mais merci de m'avoir sauvé de ma connerie. Moi je dis à droite hein. Merde. Je crois qu'il faut sprinter là. Ah oui putain, faut sprinter. Putain, vas-y, ouais, tu danses bien là. Pouah ! 9e level, 67 vies, Benzai Live. Mais je te ferai pas de dessin, Blossom, tu m'as saoulé quand même un petit peu. T'as choisi une musique de merde. Alors. Ok, non mais de toute façon, moi je suis... Putain, j'allais dire, de toute façon, moi j'ai déjà mal au... Je vois déjà plus les... Plus les effets... Ah mais attends, c'est que tu peux y aller à fond la caisse. Mais de toute façon, ça sert à rien, c'est juste pour te décourager. Bon, ça c'est facile. Ça c'est facile, le mec a juste rajouté plein de distorsions à la con pour nous faire chier, sauf que... Si t'es lucide et que tu vois la hitbox... Oh putain, si t'es lucide et que tu vois la hitbox, c'est bon. Attends. Parce que c'est pas un niveau qui est très chiant. C'est un mec qui a fait le... Qui était sous acide enfermé dans le truc, mais En fait, si tu remues ta mablette dans ta main, pendant que tu joues, l'image redevient nette. Et le mec a clairement... Putain, ça redevient net au dernier moment, quoi. Non, par contre, ça, les pattes de chat, c'est de la merde. La deuxième. Bâtard! Bâtard, t'as de la chance que je tienne à mes vies. Oh putain. Va te faire mettre quoi. Va te faire enculer! Je vous pardonne parce que vous avez inventé le hentai, mais quand même. Hein.
Donc la première. Alors ça se trouve en fait, il y a une fausse porte devant les deux autres. C'est mon intuition. Si j'étais un sale con, j'aurais mis en fait une fausse porte devant les deux autres pour donner envie aux gens de pas tester en fait. Non, je vois pas. Je vois pas, tant pis, Bowser Citadel. Oh non, putain, ce genre de niveau, ça va me casser les couilles. Attends, quoi ? Non, mais ça c'est des bouffe-pièces, ça. Mais j'ai pas repris la même porte, vous me prenez vraiment pour un con ou quoi? On a testé les deux portes? Bon, attendez. Il va se passer un truc là. Merci, cette chambre de part 2. Je me concentre. Ah oui, putain, le rebond. Le rebond, c'est bon. Et oui, on a testé les deux portes. On a testé la porte de droite la première fois, après je suis mort, et là j'ai testé la porte de gauche. Enfin. Je suis seul à regarder le stream, c'est possible. Ah, on a que 200 secondes, putain. Non. Je sais pas, le premier trou, il me semblait qu'on avait testé de tomber dedans. Allez, la lucidité, allez. On a assez perdu de vie bêtement. On est chaud. Voilà, à moi les femmes, à moi la vie, à moi le pognon. Thank you.
Alors, on va essayer, mais... Oui. Allez, 55 vies, 9 sur 16. Ah putain, on a mis tout ce temps pour passer le 8ème niveau, quoi. Ah oui, c'est très compliqué. Bon bah c'est foutu quand tu tombes. Ah putain, j'y étais arrivé, merde. Ah mais une fois là-bas, waouh, attention. Non, c'est un bouffe-vie, c'est un bouffe-vie, c'est un piège. On arrive à la moitié de nos vies, malheureusement. Oh. Oh, mais allez bien niquer vos mères. Ah merde, c'est foutu d'avance, putain. Ah, la, 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 The Traikan, merci beaucoup. Attends, attends. Il y a moyen de prendre cette... Oh putain, ça sert à rien. Tu crois que t'as brainé le jeu, quoi? En fait, non, que dalle. Ah mais il y a moyen de foncer hein. Attends, attends, il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen. Il y a un truc à faire. Oh non Yoshi, je t'avais. Non, 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 on peut réussir celui-là. Parce que là tout ce que je vois c'est... Ah ouais pfff. Attends, là il y a une porte là. Oh oui. Il nous reste 45 vies pour faire 6 niveaux. Aïe, 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 aïe. Ce qui veut dire que 45 divisé par 6, ça fait 5. À peu de choses près. Ah non, mais non, mais... Putain!
Ok. Bon, la personne qui a fait ça est un fils de pute, mais on peut le faire. Merde, il va retirer un champignon là, voilà. Merde. Ah putain, on y était presque. Alors attendez, je m'occupe de ça tout à l'heure. Oui, apparemment mon modo vient de se faire hack en live, très bien. Vive la vie. Nous sommes en difficulté expert. C'est quoi cette astuce? Ah, c'est une plante. C'est une plante, ok. Attends, on peut les prendre, là. Voilà. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. On peut y arriver. Oh oui, c'est gagné. Le but était la lucidité. Rebonjour Sundar. J'espère que ça va bien se passer. Nous sommes en 12e position, il nous reste 43 vies. La persévérance, c'est la GG. Non mais voilà. Non mais voilà. Ça, c'est niette. Les vies sont trop précieuses. Oui, la vie. Oh. Bouffez bien vos morts. Bouffez bien vos morts. Non. Allez, allez, lucide, 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 lucide. Ah non, putain, on a vraiment pas le droit de toucher la... Ah. Pas le droit de toucher la live. Si, si, Sundar, on peut te lire. Hein. Si je fais pas trop le débile. C'est l'authentique vie en plus. On s'en fout. Il fallait certainement sauter par-dessus ces trucs-là. On ne pourra jamais le savoir.
Oh non! Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là-dedans? Ah bah là, mon string est très très serré, hein. Bon, visiblement, il y a moyen d'aller là. Merci que ce soit pas un truc de merde. Attention, et boum, 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 boum. Ok. Sandar, nous pouvons te lire, tu n'es pas le pain fantôme. Oh oui, c'est gagné. Alors par contre, là, j'ai l'impression que le challenge dure 2 heures, quoi. Attention, putain, le 13e à 44 vies. Il reste 3 niveaux. Là, c'est le stream de la lucidité. Y'a un truc. Ah. Attendez, c'est que... Je sais de source sûre que... Je sais de source sûre qu'on peut... On peut aller là direct. Parce que là... Ouais, non, mais le niveau, c'est le niveau de l'embrouille. Il fallait réactiver le P, ouais. Non, mais ça, c'est les niveaux casse-tête. Ça se bouffait des vies. T'avais vu qu'il y avait un check. De l'autre côté, c'était qu'un checkpoint. On était parti pour y perdre la soirée, quoi. Là, je serai radin des vies, quoi qu'il arrive. Oui, le vrai. Il est là. Merde! On est bon. Peut-être c'était peut-être un mauvais calcul, ça. On va pouvoir s'en sortir, ce niveau il a l'air legit. Et c'est bien sûr la première préoccupation de Mario Maker, c'est est-ce que le niveau est une arnaque de forain. Thank you.
c'est la lucidité. Ok, va te faire enculer. Merde, putain, il y a des petits pics. Je n'aime pas ma vie. Putain, il peut tirer en transversal, en vertical, horizontal. Lucidité. Oui. Ah putain. Ah putain. Attention, 14e level. Reste 3 levels. 14, 15 et 16. Je sais que j'ai dit 3 levels parce que je sais pas compter comme un con. Ah putain, c'est la merde ça. Ah oui, t'as 20 secondes, ok d'accord. T'as 20 secondes et il ne faut jamais... Faut jamais tomber sur un truc, ok d'accord. Bon ça c'est... Merde. Ça c'est possible. Ça c'est possible. Mais merde, putain, tu t'as pas le droit de te mettre à côté d'un truc. Ah, putain. Mais c'est tellement facile, sinon. Voilà, entre deux. Quoi? Mais pourquoi je peux pas avancer, là? Oh, putain, t'as tellement 2 secondes pour le faire. Et tu fais quoi après? Est-ce qu'il faut le buter le truc? Tu crois qu'il faut rentrer à gauche? Ah, ding dong, c'est parce que c'est une porte. Bah non. Mais qu'est-ce que vous me racontez cette histoire de porte là? Ah putain, mais y'a pas un truc qui apparaît. Une fois dans la dernière ligne de bloc, va à droite. Mais non, je peux plus. Je peux plus bouger. On skip. Mais non, j'ai tué les Goombas. Ok, mais ça je connais. Ça c'est la rue, ça me connaît ça. Ça c'est là d'où je viens. Ah putain, c'est tout con. Mais non. Allez, 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 allez. Ça c'est possible.
Qu'est-ce que tu veux que je foute? Oh putain, faut faire des sauts. Ah bordel. Mais c'est la musique qui me stresse alors qu'en fait il n'y a pas d'urgence. Oh non, 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 non. Il n'y a pas d'urgence. C'est la musique qui est stressante alors que... Mais surtout... Attends, mais... Non, mais t'es obligé d'avoir un pied-à-terre pour faire des vrilles. Ah, faut faire des vrilles depuis le début. Ah putain, faut faire des vrilles sur les boulets de canon. Non, 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 pas de skip. Non, 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 faut faire des vrilles sur le boulet de canon et c'est terminé. Ah putain, mais tu pouvais prendre appui juste avant les plantes. Putain, mais quel con. Là, c'est putain. Mais non, pourquoi? Ah. Mais non, mais il n'y a pas de dommage en plus à prendre. Ah putain, 26 vies. Non, 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 mais c'est possible, bordel de merde. Putain, c'est balèze. On croit en toi, Benzaï. C'est vrai qu'on en a plus que 25, mais... En fait... Tu te mets là... Mais non, putain, mais pourquoi j'essaie de faire ça alors que je sais que je peux retomber? Je suis con comme mes pieds, putain! On va y arriver. Là, il n'y a pas d'urgence. Les boulets, tu sautes normal dessus. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas d'arnaque. Ils sont là. Pouf. Là, tu fais juste tic, tac, touc, tac, tac, tic, tac, 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 tac. J't'ai mis ta mère! Pouah! Alors, on va lui dessiner un petit truc quand même. Alors. Mon Zboob. Voilà, donc je lui ai fait un canon de Mario poilu.
Et on dit que c'est mon zboob. Attention, il va apparaître sur vos écrans. Voilà. Allez, il nous reste deux niveaux, 24 vies, c'est le stress. Un niveau français par Clément. Oh, Clément, c'est gentil comme prénom, ça dit. Je ferai confiance à quelqu'un qui s'appelle Craig. Enfoiré Clément! Ah, je déteste tous les Cléments de la Terre désormais! Ah, attention. Putain, mais pourquoi des Ghost House, bordel de merde? Vous voulez vraiment me faire chier, quoi. Alors, gauche, droite. Y'en a pas une troll? Je prends la première parce que les gens, en général, c'est la deuxième. Ça je peux faire, ça je peux faire. Merde putain. Ça je peux faire, ça je peux faire, tout ça je peux faire. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, no more, allez. Un truc, un cadeau, oui merci. Merci ping pong pong. J'ai le cœur qui bat la chamade. Oui! Oh putain! Oh, j'ai 23 vies pour faire le dernier truc. Oh là là, je vais me pisser dessus, mon gars! Oh putain, je ne peux pas. Je suis obligé de me pisser dessus. Oh putain, je vais pisser. Je fous la marmelade. Je coupe le micro parce que sinon vous allez m'entendre pisser. C'est la marmelade de ma grand-mère.
Dansons la marmelade ce soir sous les ponts. C'est parti. L'ultime défi. Finir ce putain de mode de jeu de merde. Il vous parle. Bowser Castle par Next to Play. Ok, ça c'est sympa. Ok, ça c'est sympa. Maintenant. Ok. Bowser est déjà là, quoi. Putain, il bourre les trucs, quoi. Attends, quoi? Non, on peut garder les carapaces. Ah, fallait garder le truc. Attends, un start over. Fallait garder une carapace. Putain, mais pourquoi j'arrive plus à refaire le même truc, quoi? Attends, mais il y avait une tortue? Je crois que c'est la bonbombe. Ah oui, non, c'est bon, il y a une tortue. On peut tout niquer. Vas-y, déblaye le terrain, ma petite. Non, Kamek! Bon, est-ce qu'on continue? Le niveau, il est stressant. Hein. Non, skip. Je garde 20 vies pour un autre, un vrai truc, parce que là, le boss à la fin s'est pété, on va mettre 10 ans, elle va passer. Non, encore moins. Ça fait chier de perdre 2 vies là-dessus, juste parce que le niveau, il est pas cohérent, quoi. Putain, je sais plus parler, quoi. Combo! Non, skip. Oh putain, on va réussir à trouver un level, bordel. Bon, celui-là, au moins il commence pas en mode chancul. Je
Oh putain! Je veux dire, au moins les tuyaux ils annoncent la couleur. On peut garder notre last hit. Je sais pas comme. Enfin, quand est-ce qu'elles sont trigger ces putains de plantes? T'as vu ça? Enfin, là, les deux sont trigger d'un seul coup, ok. Connard, tu pensais m'aider avec ton champi de merde? C'est dans l'autre sens. Ah, le nez de la le nez pour la frustration, le nez pour la réflexion. Ah putain, non mais en plus là je sue les amis. Et ce niveau a quelque chose de simple. Reste à savoir combien de temps il dure. Vas-y, je trigger. Mais merde. C'est la marmelade de ma grand-mère. C'est la marmelade de ma grand-mère. Dansons la marmelade ce soir sous les ponts. Dansons la marmelade ce soir, mon garçon. C'est la marmelade de ma grand-mère. C'est la marmelade de ma grand-mère. Dansons la marmelade. Ok. C'est obligatoire. Ça aussi. Pas 50 trucs à faire. Oui, c'est bon, c'était pas une indication de merde. Allez, on est lucide, allez. On ne voit pas les trucs. J'ai pas mal. T'as pas mal, Rocky. Allez, t'as pas mal. Oh putain, c'est le dernier écran. Essai pour refaire ce truc et on y était. Putain, un pauvre pixel de merde. Faut que je prenne le réflexe d'essayer d'en buter en fait des plantes aussi. Oh non, mais là qu'est-ce que je fais?
toute façon, là, ça reset tout. Allez, allez, allez. On se concentre. C'est pas un niveau compliqué. C'est pas un niveau compliqué. Ah, quoi que ça, c'était compliqué. Merde. Bon, c'est bon, ça passe. Ça passe nickel. C'est la marmelade de ma grand-mère. Dansons la marmelade ce soir sous les vents. Voilà, nickel. Dansons la marmelade ce soir, mon garçon. C'est la marmelade de ma grand-mère. C'est la marmelade de ma grand-mère. Dansons la marmelade ce soir sous les vents. Dansons la marmelade ce soir, mon garçon. Le grand bloc sur ce surtout en fait l'envie de pas faire des conneries qui me fera faire des conneries quoi. Dansons la marmelade ce soir, mon garçon. Vite, musique de la victoire. Et on fait un petit dessin. Merci Kalen. Pourrait avoir les yeux plus clairs et les cheveux un peu moins noirs. Seulement moi je ressemble à mon père et ça, ça plaît, c'est mon histoire. Je suis un petit beurre. C'est pas possible de dessiner un petit beurre en fait. Mettre Benzaï was here. Merci d'être avec le flou de la victoire, bah oui. Ah ben là. Un petit Benzaï was here. Il est là. Mais manque de bol, je suis né ici.
Entre Clichy et Levallois, y a plein de petits bars qui s'ennuient. Et ouais, mon gars. Benzaya!